Good evening, I'm Jim C, and I'm your host for tonight. So, in the tonight show, we will move because I'm moving in a new apartment. You know, this whole apartment I lived for the last 2 years, I think it's the last time because my parents are coming from Saguenay-Lac-Saint-Jean to help me to move all the stuff right here. So, come with me to the journey of moving. It's gonna be crazy, baby. N'oublie pas de copier ta merch en passant à rdv.social. What's up, man? Casual vlog un petit peu à l'ancienne. Tranquille, qui se passe. Aïe aïe, tabarnak! Justement, encore! Calisse, il y a tout le temps des affaires dans mon ch. Fait que non, c'est un petit vlog à l'ancienne. Bon dimanche, bienvenue, merci d'être là. Merci de vous être tuned in à JMC sur Dailymotion avec un immense plaisir. N'oublie pas de subscribe. C'est vraiment ça, man. C'est les derniers temps que je passe dans mon appartement dans lequel j'ai habité pendant 2 ans. Dans lequel j'ai beaucoup de souvenirs, des bons, des moins bons. Pas peur de le dire, c'est aussi l'appartement dans lequel j'ai vécu pendant presque 1 an et demi avec Nado. Et c'est la raison principale pourquoi je quitte, parce que je suis tanné de. J'ai encore des souvenirs, même si ça fait longtemps, puis ça gosse. Fait que je calisse mon camp. Je pensais à ça tantôt, je me disais. Le monde là qui disent genre, oh, j'aime pas trop mon appart, mais je vais rester encore là une petite année. Je vais me faire une petite année de plus. Quoi? Mais t'es une petite année. Hey, c'est long en tabarnak, 1 an. Ça fait 2 mois que je suis revenu de voyage. Ça fait 2 mois que je suis poigné dans mon esti-sou à cochon. Et j'ai goût de me gloquer les rotules mur à mur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la seconde que je crisse un pied dans cet appart là. Si t'as envie de colisser ton camp d'un appart, colisse ton camp d'un appart. Genre, pour vrai, là, ça fait 2 mois que j'endure. J'aurais dû colisser mon camp bien avant ça. Bref. Je suis là. C'est de la merde déménager, sincèrement. J'ai quand même fucking avancé les trucs. Mes parents s'en viennent. Fait que ça va être un vlog avec mes parents. Fait que là, il me reste mon lit, mes bebelles là. Ça, c'est casual. J'ai gardé mon setup d'ordi avec les ordi et tout parce que j'ai encore un petit peu de travail d'ordi à faire ce soir. La seule pièce qui reste, ce serait ça, la salle de bain. Sauf que j'ai juste du truc dans la vanité. Puis tout le reste, c'est fait. Tu vois, j'ai tout fait les boîtes là. C'est tout du linge, les affaires. Ça, c'est toutes mes bebelles. D'après moi, ça va se faire en un voyage. Je suis fucking stoked de déménager. On va faire ça. Tous ensemble. Je pense pas que ça va être un vlog très long. Juste qu'on est dimanche. Puis j'avais le goût d'être avec vous parce que le dimanche on passe un bon temps ensemble et c'est plaisant. Alors voilà, je vais continuer mes boîtes. Les gars, les déménageurs ring sont arrivés. Ma voyageuse, ma guerrière. J'ai dit aujourd'hui que je faisais une vidéo relax. Vidéo plus relax, un vlog relax. On a mis nos gants puis tout. Fait que ça, c'est mon équipe de déménageurs. Mon estropié pour mon chef canaïen. Puis on va commencer à déménager ça tranquillement. On va aller voir ça. Je vais aller lui montrer mon autre logement puis tout. Oui, j'ai mon piton pour mon garage. Oui, non, on va y aller toutes les deux faire mon premier voyage. Oh, yes! Fait que là, mes parents viennent, comme vous savez, ils viennent m'aider à déménager. Et là, mon père, il était pas sûr parce qu'on a le trailer qui est juste là. Et il voulait pas se faire voler le trailer cette nuit. Fait qu'il m'a dit, t'as-tu un cadenas? Il dit, tabarnak, un cadenas? J'ai un sabot de Denver. Fait que c'est la première fois de ma vie que j'ai à m'en servir. Puis je viens juste de le recevoir. Fait que là, ben, c'est une pause régulière de sabot, là. Les clés. Fait que là, le sabot, comme vous savez, ben là, tu sais, je veux dire, c'est pas. Dépend, des fois c'est mou, des fois c'est rosse. C'est pas compliqué, c'est 3 étapes. C'est la clé là, comme ça, pour ouvrir le loquet. La chambre, là, c'est ça là. Comme ça. Ah, c'est vrai, c'est pas pareil, faut que tu t'appuies là. Régler tout. C'est bien fort. Et voilà, régler tout. Ça bougera plus de temps. Fait que c'est la première fois qu'on a à s'en servir pour vrai. Je suis très content de mon achat. Bon matin. On est au canaillé qui cite. Avec la canaille qui cite. On a besoin d'eau. Va bien, Chris, là, on a sorti la laveuse. On a sorti le frigidaire, on a sorti le four. C'est pas les 3 plus gros éléments qu'on avait. Packé ça dans le truck à l'RJ. On a sorti mes 2 commodes à date. Hey, il fait chaud, Chris, c'est la canicule ici. Gars, qui a pas ramassé sa camisole rouge encore? On a sorti mes commodes là. Comment ça va être vide en style pire? Je pense que ça va être tout mon setup d'ordi pis de divan. Ça va bien. Mais là, Chris, vu qu'on est Yang 2, moi et mon père, en fait ça, je peux pas bien ben, filmer. Fait que là. Hey, ça avance, on est bien. Check ça, c'est tout ça qu'on a fait. Tout ça, on a tout rempli ça au complet. Je viens de me rappeler que Gourou, mais présentement pendant que ça sort ça, je suis en train de faire la tournée du Québec avec Gourou. Là aujourd'hui on est vendredi puis c'est ce matin qu'il vient de porter ma van. La van life. Mais il avait dit 11h, ils sont en retard, Hélène, hein? Pas du monde pour dessus. Prends-en une, Hélène, les gars. J'en ai une qui est plus froide, attends, puis c'est une sans sucre en plus. Ton régime keto là. Ton régime keto, sont où les gourous froids là? Tiens, prends ça. Ça va te donner ton énergie nécessaire. Ouvre-moi ça. Goûte-y, moi. Puis? Délicieux. C'est ça. C'est bon. Ben, je sais, c'est les sans sucre. Moi, je les aime moins parce que moi, j'aime ça quand c'est keto, tu sais.
Mais non, c'est ça, fait qu'il s'en vient de me porter ma van. Ça va, on va être bien à Chris, je vais vous montrer ça aussi avec le van tour un petit peu. Wow! Tabarnak! J'avais même pas vu encore. En deux boîtes, la van gourou arrive. Est-ce que c'est G, calé? C'est donc bien G. Oh my god, j'avais même pas vu encore. En vrai, c'est bien huge! C'est donc bien sick! Fait que là, je vais arrêter parce qu'il y a plein d'autres enfants qui vont s'en venir. On continue le déménagement, ça, vous allez voir ça dans le trip et qu'on va, ça va faire un gourou demain. Ok, non. Là, on a une surprise là. Ok, non, attends, il y a une surprise devant. Je suis pas prêt. Vas-y. 3, 2, 1. Go, filme ça! Ah! No way! No way, j'avais pas vu! No way! Ils m'ont acheté des crocs! Gourou, ben non! Oh, j'ai mis des crocs! En plus, les autres, ils putent. Ah non, ben là, je les ai pas, mais mes crocs, ils putent tellement! Oh my god! Salut, man, GM, je te connais pas. Enchanté. Salut, Camille! Mes parents sont là. Check ça, moi, c'est mon pote folle! Des crocs! C'est des quelle grandeur? Et voilà, les amis, flambant neuf! Ils sont fresh, ouais! Insane! C'est qui a pensé à ça? C'est la bonne grandeur? C'est parfait, man! C'est la grandeur est parfaite! J'ai l'air à la une inspectrice, c'était genre, ouais, ils ont l'air grands, tes crocs! C'est pour ça qu'elle me demandait ça! J'étais là, ouais, non, j'ai pris deux points trop grands, je porte du 11 normalement, si! Aïe, aïe, c'est donc ben sick! Avec un taco, pis. Je suis vraiment saoul avec un petit Fortnite, pis tout! En tout cas, fait que là, tout ça, l'affaire de gourou, ça va être plus tard. Parce que là, je suis en déménagement, c'est un vlog de déménagement. On continue de déménager. Je vais la mettre dans ton bac d'outils. Mais elle est dans mon bac d'outils, là. C'est ça ton plan? Ouais. Dans le bac d'outils? C'est le bac d'outils, là. Bon, fait que tout est fait. Glenn, toi, t'as aidé pas mal. Tu nous as donné un bon coup de main. Hein, tu nous as fait ça. Il nous reste la clim. Les rideaux, mes beaux rideaux. Le setup, la dernière chose qui me reste au monde, c'est ça. C'est parce que c'est la fois la plus précieuse. On va garder ça pour le gâteau. Le dessert. Tout le reste, c'est tout vide. Regardez ça, c'est tout est fait. Regarde, il y a plus de ginseng. Il y a un sac bleu, là, OK? Sac bleu, là, c'est beau, là. Ça, ah, regarde, le petit chaud, là. C'est un petit chaud, là. Petit chaud. Ça va être Sandro. Fait que je vais défaire mon setup, là. Et je vais faire les derniers adieux officiels à mon trou du diable que j'ai appelé. Et là, les amis, OK, je vais faire quelque chose. Gaëlen, je fais quelque chose de fou, là. Depuis les deux dernières années, je vous cache où j'habite, et là, je vous le dis, c'est le 7587 rue Rousselot dans Villeray. Et comme ça, vous allez pouvoir venir cogner à la porte du prochain locataire puis dire « Hey, toi, t'habites dans la scène à porte de Jesse. » Fait que, hein, c'est capoté, hein? Yes. 7587 rue Rousselot. Fait que, il y en a, je sais qu'il y en a qui l'ont su au travers les années parce qu'ils m'ont déjà vu rentrer ou m'ont déjà vu sur le balcon, mais là, c'est partout dans le monde, 7587 rue Rousselot. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère, oh, regarde. Ok, aïe, Jean-Pierre vient ici! Jean-Pierre vient ici! Oh, donne-moi un bim, ça! Ok, fait que je finis le setup d'ordi, je dis mes adieux, puis on finit ça avec un grand plaisir. C'est tout vide. C'est tout fait, c'est tout déménagé. J'aime faire quoi? Pareil, c'est sûr. Parce que si j'ai pensé tellement de temps ici dans les deux dernières années, je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Quand les gens déménagent en général, ça fait tout un petit quelque chose. Je pense que ça doit faire de quoi quand t'as vécu des affaires nice dans la maison ou le loyer, le logement en tant que tel, I guess, tu sais. Des beaux dents. Là, c'est officiel. À la seconde que je sors d'ici, je prends les clés et je les remets au propriétaire. Les clés du 7587 rue Rousselot. Ça fait quand même de quoi, mais je suis vraiment content de moving forward parce que les seules énergies négatives, je pense qu'il me restait dans ma vie, la seule genre de le seul négatif que j'ai l'impression que j'avais encore, c'était quand je rentrais ici. J'avais des mauvais souvenirs, des bons mais des mauvais aussi, puis un genre de mix de tout ça, puis ça fait quand même 6 mois moins mon voyage, que j'endure ça, 7 mois, tu sais. Alors, voilà. Je décalisse, enfin, et j'ai un nouveau truc, plus vrai, plus un truc adulte, un vrai beau triplex et tout, puis ma salle à moi où je vais streamer, où je vais faire mes montages, où je vais faire mes vidéos et tout. Fait que voilà, on va faire un petit dernier tour. Vite, vite, juste être bien sûr. Là, c'est là, je dormais, je vais essayer le matelas, je m'en fous. J'ai laissé des livres pour la lecture à la personne qui va
déménagé au 7-7, 7-5-8-7 rue Rousseau. La salle de bain, les chiottes, puis ma petite crise de cuisine de BS, pas de pot. Alors voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. Merci. La prochaine, j'imagine, ça va être un new apartment tour. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous de mon bord. Je tourne la page.